Et salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Arc Tour. Alors, avant de commencer, j'ai des présentations à vous faire. Alors, il y a déjà elle, mon premier Argentavis, qui est maintenant au niveau 219. Je l'ai tamé 130. Oh, je lui ai mis pas mal de niveaux, j'ai fait pas mal de choses avec. Et il y a aussi ça. On va aller en bas. Alors, oui, il y a la Taming Cage. Alors, cette Taming Cage me rend fou, en fait. Au début, je l'avais faite plus grande que ça, et j'ai trouvé qu'elle était trop grande, parce que les bestioles se déplaçaient un peu trop dedans, et du coup, bah, ça me rendait un peu fou pour les truquer. Et là, je la trouve trop petite. Bon, c'est pas grave, ça, c'est un problème existentiel. Je verrai ça plus tard. Il y a elle aussi. Que je trouve magnifique. Alors niveau pourri, je crois qu'elle était 100, je me rappelle plus, 100 et quelques. Alors, je l'ai tamée juste pour la couleur. Je la trouve magnifique et je me dis que si je chope des smilodons de bon niveau, je pourrais avoir cette belle couleur noir et violet que je trouve magnifique. Alors, sachez tout d'abord que cet Amiga-là devait faire l'objet d'un épisode. Mais mon logiciel d'enregistrement en a décidé autrement. Du coup, eh bien, j'ai tout enregistré. Sauf que le logiciel n'a pas voulu enregistrer ma voix. Je sais pas, ce jour-là, peut-être que ma voix ne lui revenait pas. J'en sais rien. Du coup, voilà, désolé. Bah, j'étais vraiment dégoûté. Parce que bah, ça m'a retardé un épisode. Et puis, voilà, je voulais vous montrer à peu près tout ce que je fais, et puis là, bah, OBS, on a décidé autrement. Bon, bref, je vais me rattraper et on va commencer tout de suite. Allez, c'est parti. Aujourd'hui, on va aller continuer à se balader à la recherche de timing intéressant, mais avant, petit craft de tenue en fourrure, car oui, je vais aller crapahuter un peu du côté de la neige, et je vous avoue que j'aimerais être à l'aise. Donc, petite tenue, on se crafte ça, et puis on va aller se geler du côté de la neige. Avant d'aller dans le plein froid, on va. Écoutez, il y a un alpha ici, hein? On va continuer notre vengeance sur les alphas. Et surtout espérer avoir du loot et puis gagner de l'XP. J'ai même pas regardé quel niveau il est. Ça devrait pas poser trop de problèmes. Faut juste que je fasse gaffe à ma stam. Mais bon, ça va. Sac à PV ces trucs. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a eu? Oh, ça c'est bon ça. Un revolver. Bon. La prime. Moi j'aurais bien aimé aller la déposer. Mais bon. Augmenter son attaque. Et puis, eh ben, on va s'embourber un peu plus dans la neige. On va voir s'il y a des trucs intéressants. Des loups par exemple. Oh, les amis, je viens de trouver un loup magnifique. Et normalement, c'est le rouge. Alors, non seulement il a une belle couleur. Je te chope. Et normalement, il est 150. Oui, il est bien 150. Et du coup, eh bien, je vais l'emmener tout de suite dans ma taming cage. Je ne veux pas prendre de risque ici. Je vous avoue que ça me ferait un peu chier de le perdre. Surtout que j'ai le niveau et la couleur. Et que demander de plus? Attends, tu. Regardez, il est magnifique. Je sais même pas si c'est un mâle ou une femelle. Aïe! Ça suffit, calme-toi. Bon, il y aura quelques turbulences pendant le transport, mais c'est pas grave.
Allez, j'emmène le colis à la maison et on se retrouve là-bas pour le timing. Oh, eh bien, le colis est arrivé à destination. Le vol a été un peu turbulent. Pas été très sage pendant le vol, mais voilà, on s'est pris quelques coups de croc sur la route. Bah allez, tu vas faire dodo, mon grand. Oui, non, mais il faut que t'arrêtes de bouger, hein. Non, t'arrêtes de... Écoute. Viens ici. Eh oh, regarde-moi. Tu veux me croquer? Allez, viens. Viens croquer papa, là. Oh, oh. Qu'est-ce qu'il y a? T'es en mode débile? C'est sûr? Voilà. Voilà, tu t'es... Alors, reste comme ça, t'es parfait. Oh, c'est un bon toutou, ça. Eh oui, c'est un bon toutou. Alors, reste comme ça. Bouge surtout pas. Je me rappelle plus combien je lui ai mis normalement. D'après Mister Dododex, il lui faudrait 12 flèches entre les deux yeux. Faut vraiment que je pense à me crafter une loupe quand même. Hein? Dodo. Bon, ça c'est fait. Maintenant, on va lui chercher de la viande de qualité et on revient le voir. Quoi de mieux qu'un alpha pour faire de la prime? Et du coup, eh bien, on va s'en prendre à ce carnot alpha. J'espère que... Je pense jamais à regarder leur niveau aux alphas, histoire de savoir à quoi m'attendre. Bon, j'espère qu'il est pas très haut niveau. Sinon, ça va prendre beaucoup de temps. Et surtout, il risque de me mettre cher. Hop. Je pense que le combat va s'éterniser. Quoique. Je crois que. Ouf. Ah, j'aime pas ça. Je déteste ça. Des fois, le piaf il se glitch dans le. Dans la bestiole. Et c'est pas bon. Là, il commence à saigner déjà. Aïe. Oh, j'y vais vraiment en mode bourrin là. Faut vraiment pas que je reste glitch dedans. Parce que sinon, c'est la merde. Hop. Je t'embarque. Désolé, je sais que t'as rien demandé, mais bon. Histoire de régène un petit peu. Tu m'en voudras pas. Bon, on va le faire un peu plus safe. Il y a pas ma stam. Hop, une touche ici. Oh, les moustiques, sérieusement, sans déconner, dégagez. Oh, je le touche comme ça. Oh, bah, c'est parfait, reste là. Allez, monte un peu la tête. Non. Ah! Ah, enfoiré! Viens là! Mais t'es pas en train de saigner là? Allez, il faut crever au bout d'un moment, non? De lui picorer la tête là. Qu'est-ce que tu fais? Tu montes ou tu restes? Tu m'emmerdes. Hein, voilà, reste là. Reste comme ça. Bon, tu me laisses reprendre ma stam et je m'occupe de toi. Laisse-moi tranquille. 10 ans pour reprendre la stam. Allez. Oh. Pas que ça à faire, hein. Allez mon gars,
Bouge pas, j'arrive. Je sais que tu t'impatientes. Mais... Allez, t'es où? Là. Ah non, va pas dans la flotte. T'es nul. Allez, viens, sors de l'eau. Mais sors de l'eau. Non, mais... Ça va pas m'empêcher de te picorer, hein. C'est juste que tu vas m'emmerder pour récupérer tes trucs, quoi. Tout. Voilà. Prime meat à gogo. Je crois qu'il a lâché un sac. Il me semble qu'il a lâché un sac, non? Oui, non, non, oui. Oh, vos gueules, les piranhas. Dégage! Casse-toi! Ah, il est là. Alors, t'avais quoi? Oh! Du poop! Voilà. Bon, bah, nickel. Allez. On retourne auprès de notre loulou et on va lui donner. On va lui donner sa viande. Ça devrait aller vite. Bon voilà, on y est. On va prendre ça. Je sais pas combien il lui en faut. Normalement, ouais, c'est 6, je crois. D'après Dododex. Eh bien, on va lui mettre ça. Ça devrait aller vite. Oh oui, ça va vite. Il avait faim, pépère. Allez, une petite dernière. Oh yes! Oh, et c'est un timing parfait. 224. Bon, je te passerai sur le smart machin bidule là. Alors, les stats. Ta 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 ta. Ta. Bon, comme ça a l'air équilibré. Allez. Oui, 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 t'es. Je suis trop lourd pour toi, je sais. Je sais que les loups n'ont pas de poids. Et c'est d'ailleurs un des seuls inconvénients de cette créature, je trouve. En même temps, tellement pratique, un loup. Allez, on va aller... Écoute-moi toi le mosh-up, Mitty. Déjà que t'es moche. Voilà. Eh bien, on est content. Et il est beau en plus. Il ou elle d'ailleurs. Il. Voilà. Il est très très beau. Faudra que je lui trouve une femelle. Histoire de faire de la repro, ça nous sera très utile plus tard pour les caves. Et même pour aller se balader tout court. Ça change un peu des volants. Que j'ai pas envie de passer mon temps dans les airs. Hein. Donc j'aimerais bien crapahuter un peu à patte. Bon, eh bien, on va. Bah, je crois que je vais retourner à la neige et essayer de lui trouver une femelle, pourquoi pas. Et. Non mais pousse-toi, toi, toi. Ah, tu m'as gâché mon plan, là. Il m'a gâché ma séquence, quoi. Bon, eh bien. Deuxième loup. 145. Là, je suis en train de le débarrasser de ses copains. Au moins, je serai tranquille. Allez. Ben, il n'en reste plus qu'un. C'était lequel, le 145, déjà? Le noir ou le gris? Ah, c'est le noir. Ok. C'est un mâle, malheureusement. J'aurais espéré... une petite femelle, mais non. T'es niveau combien, toi? 10. Ok, tu crèves. Tu meurs! Voilà. Bon. Maintenant... Et ben l'autre, bon, on va se le faire. Non, reste tranquille, toi.
Voilà, tu de deux. Allez. Bon, je pense pas qu'on ait le temps. Et en plus, il est bien amoché, je crois. Et il est tout noir. Sympa la couleur. Mais j'aurais bien aimé une femelle. Bon, après, je le prends pour les stats, on sait jamais. Ça pourra peut-être combler des lacunes de stats sur l'autre. Vas-y. Tu restes là. Tu ne bouges pas. Non, arrête de te sauver. Non, te sauve pas. Reviens, on était bien là-bas. Reviens. Ah, je le rate. Viens ici. Je ne le vois pas. Allez. Oh. Ah, le vieux réflexe de merde. Mais. Mais c'est pas possible. Oh. Allez, couchez, sale bête. Te sauve pas. D'accord. Viens ici. Oh, je le rate. Terrible. Terrible. Pourquoi tu m'attaques? Au secours. Oh, il va bientôt crever, lui. Non, va pas trop loin, va pas trop loin, il y a de la merde. Ah, dodo. Voilà. Bon. Il reste pas beaucoup de PV. Bon, eh bien, attendez, je vais d'abord le sécuriser. Ça, c'était n'importe quoi, cet ami. Voilà. Je vais prendre les pipiques. Puis on, voilà. On va le sécuriser. Le temps d'aller lui chercher de la bonne viande. Ah, par contre, ça me saoule. J'aurais aimé. Je peux retrouver une femelle. Voilà. Bah, tu risques. Normalement, tu risques pas grand-chose comme ça. Allez, on va aller chercher de la prime. Et on va le laisser se tamer. En attendant, je vais continuer à chercher d'autres loups. En espérant trouver une femelle. Oh. Attendez, je crois que j'ai vu un truc ici. Je crois que j'ai vu un carcarodontosaure. Ou car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 c
Et à côté, ben, j'ai tamé un niveau de loup de niveau 7. Ça suffit. Non, arrête de... Tu restes là-bas. J'ai tamé un loup de niveau 7. Juste pour la couleur, en fait. Voilà. Je veux ressortir cette couleur pour le breeding. Je le trouve trop beau. Enfin, je la trouve. Bon, maintenant, idéalement, ce serait que je trouve une femelle pour l'accouplement. Mais je vais faire quoi de vous deux, moi? C'est vrai? C'est vrai, ça? Bon, on va enlever le timing tracker. Hop. Et hop. Voilà. Bon, lui, il est. Bah, il est tout basique, quoi. C'est du marron et du noir. Et elle, par contre, je la trouve très très belle. Si on voit bien comme ça. Voilà. Avec du violet et du noir sur le dos, elle est magnifique. Voilà, j'essaierai de ressortir la couleur en faisant du breeding. Alors, un Argentavis, niveau 125. Bon, oui, c'est pas ouf, mais bon. Sur The Island, on fait pas ce qu'on veut et on n'a pas ce qu'on veut. Donc, du coup, on tape ce qu'on peut. Oh, ça rime en plus. Oh là là. Bon. Attends, un autre piaf là. Bah, je vais le prendre parce que bah, déjà c'est un mâle. C'est le plus haut niveau que j'ai réussi à trouver pour l'instant. On va juste le sortir de cette montagne de mort là. Essayer de l'attirer un peu vers la plage. Oui, non, 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 mais tu te désintéresses très très vite toi. Allez, viens. Là. Ah, Maxellan! Ah, je suis pas sûr que c'était mieux la plage. Et en plus, il va aller là, gros. Non, regarde, regarde, regarde pas le Rex. Voilà. Tu me suis, moi, et personne d'autre. Tu me dis si on te dérange, hein. Ah! Lequel est le bon? Non, ça va en vrai. Le 125, il a le bout des ailes qui est un peu jaune. Et t'es toujours là? Oui, t'es toujours là. C'est bien. Bon, ici, il n'y a que des tortues. Et un carnot. Allez. Attends. Ah oui, toi. Toi, je veux que tu dégages. Ah, ils sont en couple en plus. Ah, mais chier. Ah, mais ça va être le désordre. Attends, y a un dimorphe qui s'est mêlé à l'histoire là. Oui, tape le dimorphe. Pouf le dimorphe. Aïsen. Mais je ne vois rien dans ce tas de plumes là! Mais! C'est incroyable! Ah là! Oh! Non mais! Va bouffer, ça va te régénérer, toi! Va bouffer! Alors, va bouffer pendant que je te prépare une petite maisonnette là! Vite fait, bien fait! Hop! Ouais, nickel! Bon, eh bien! Mon piège! Il est là. Hop. Du coup. Bon bah voilà. Hein, je me rattrape du. Non mais c'est pas prêt encore. Pourquoi tu viens? Attends. J'ai pas fini encore. Oh, c'est pénible. Hein. Pas grave, tu. Serre le bec. On n'en a pas pour longtemps. Tu bouges pas. Hop. Hop. Voilà, c'est bon. Est-ce que je vais réussir à le faire lâcher mon Argent? Oui, non, non, hein? Que dalle, hein, tu veux mon Argent. Allez, mène-toi.
Hop. Mais il regarde que mon Urgent. Ah, merci. Ah, je pensais que j'existais pas, là. Allez, viens, Pépère. Aïe. Et... Ah non. Merde, je suis trompé de côté. Ah non, la porte. Attends, 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 bouge pas, c'est juste une erreur là. Vite fait, bien fait, là je te règle ça. Voilà, merci. Pouf. Ah, le boulet. Ah, c'est terrible là. Bon allez. Tu vas faire un gros dodo. Bon, l'avantage c'est que c'est un mâle et que je vais pouvoir avoir une monture imprint. Ça sera déjà pas mal du tout. Bon allez, on va l'endormir. Oh, toutou. Voilà, allez, c'est bon. Du coup, je vais enlever le piège comme ça, en espérant qu'il reste pas glitch. Un peu dans les airs, comme ça au moins il va se mettre au sol et je pourrais le protéger avec des piques. Oui, s'il vous plaît. Merci. Oh, ben c'est là où le modé me manque. Hein. Le pistolet du superstructure là. Où... Oh non! Bon, c'est pas grave. Alors. J'ai tout ce qu'il faut sur moi. Pour le protéger. On va. En vrai, de vrai. Franchement, je m'en fous. Je vais le faire à la bonne vieille bidoche. De toute façon, c'est un niveau 125. C'est tout comme elle. Hein. C'est vraiment momentané. Je vais pas les... Voilà, c'est temporaire. C'est pas des montures que je vais garder indéfiniment. Sauf si, une fois avoir trouvé de bons niveaux... Des Argent de bon niveau, si eux ils ont de bonnes stats, bah pourquoi pas. Mais je récupérais peut-être des stats chez eux, ça, pourquoi que ça m'étonnerait vu leur niveau. Mais voilà, c'est juste des montures momentanées. Je vais pas m'emmerder à aller chercher de la prime et tout ça, tout ça. Bon, eh bien, je pense que on va se quitter sur ce timing. On aurait eu un épisode plutôt tranquille aujourd'hui, comparé à d'habitude. C'est déjà pas mal. Bon, sur ce, eh bien, moi je vous donne rendez-vous au prochain épisode. D'ici là, bah, je vous dis, prenez soin de vous, amusez-vous bien, et bye bye!